Hello. Alors, on va faire une petite recette avec reste du frigo. Moi, c'est mes restes du frigo. Pommes un peu dans un état désastreux. Lardons. Et de la pâte feuilletée. Je ne sais pas ce que je vais faire de la pâte feuilletée. Peut-être que je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, on va faire chauffer déjà. Ok, hop, voilà. Et hop, vous savez bien que moi j'invente. Vous me connaissez maintenant, hein? Et après on va déguster, hein? Il n'y a pas de raison. Putain, voilà. Hop, hop. Bon, vous savez quoi? C'est pas pratique. Parce qu'elle est à moitié pourrie, la pomme. Et je ne veux pas la perdre. Hein. Même si. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. On va l'enlever. Et voilà. Ok. Je prends une planche à découper. Et je vais couper en petits morceaux. Voilà. Donc on va faire une retraite salée, une recette salée. On va pas faire une recette sucrée. Bon, je vais ajouter mes pommes. Hop, voilà. J'ajoute mes pommes. Enfin, je vous montre. Voilà. On va rajouter du sel. Voilà, mais pas beaucoup. On va rajouter de la poudre de fenouil. Parce que sans poudre de fenouil, c'est inadmissible. Et on va touiller. Voilà. On va rajouter les lardons. Je vous dis, j'invente, hein. On est d'accord? Alors, comme je vous dis, j'invente. On est d'accord? J'invente, hein. Alors, j'ai des œufs et de la crème fraîche. Je vais prendre un saladier. Et vous savez, vous faites avec les moyens du bord, hein, quand vous n'avez pas. Allez hop. Un. Deux. Ouais, ils sont beaux, hein. Trois. Ils sont magnifiques. Ensuite, je vais prendre. Voilà. Je vous dis que c'est une recette invention totale. Allez hop, et on va attaquer. Alors, elle gagne, hein, je vous le dis. Voilà. Mettre du sel, ça va être un peu difficile, hein, parce que. Alors. Ok. Je vous montre. Hein. Ah, c'est laquelle? C'est la EFTA ou c'est. Voilà. C'est une pâte feuilletée, hein. Et je n'aime pas trop cette qualité. C'est quoi? C'est Herta. Allez, on y va. Je vais essayer de faire un truc. Hop. Hop. L'essentiel, c'est que ce soit bon.
pas que ce soit beau. Parce que beau, ça va être compliqué. Voilà. Hop. Oh là, l'invention totale. Hein. Je sais même pas ce que ça va donner. Hein, je vous le dis. Hein. Et là, comme j'ai caramélisé mes lardons et mes oignons, franchement, ça n'existe pas une tarte comme ça. Ça n'existe pas. Mais ça a l'air bon. Hein. Voilà. Et on va mettre au four. Enfin, un peu de pomme, un peu de lardon. Voilà. On met au four. Je goûte. On a dit que c'était salé. Hein. On est d'accord. Hein. C'est une tarte avec des pommes et des lardons, mais c'est salé. Alors, on va prendre un peu de pomme. Voilà. Je prends un peu de pomme. Je prends un peu. Voilà. Je goûte. Je suis tombée par terre. Hein. Bon. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Pour le coup, le goût de la pomme, elle est salée. C'est pas mauvais du tout, hein. Mais on dirait jamais de la pomme, hein. Jamais on dirait que c'est de la pomme. Mais c'est bon, hein. Oh, c'est bon. Avec une petite salade. Lardon, pomme. J'aurais dû mettre de la clémentine. C'est bon. Franchement, c'est une dinguerie. Avec des lardons. Bah, ça se mange grave, hein. C'est trop bon. Bah écoutez, un vrai régal.